Bonne nouvelle. Le Quaker Spitznol n'a pas pris feu, lui. Vous vous êtes rassuré? C'est une bonne nouvelle, non? Qu'en pensez-vous? Après, je ne vous cache pas que certains circuits sont défectueux. Éteins cette putain d'alarme. Le check-up montre 74 pannes et 437 anomalies. C'est quoi cette merde? Anomalie numéro 4. Il s'est passé quoi? On est où? Vous vous êtes écrasé. Le reste de l'équipage s'est éjecté. Nous sommes sur la planète Kalima. Accessoirement, vous avez plusieurs ophélées, de multiples hémorragies internes, okay. Et une barre métallique vous traverse l'abdomen. Merde! Je vous conseille de rester dans le cockpit. Oui, bah merci du conseil! L'intégrité de la coque est compromise. Impossible de décoller. Nous sommes bloqués ici. Ça va aller. Mettez ça, capitaine, ça pourrait vous sauver. Votre pronostic vital est engagé. La perfusion vous permettra de survivre quelque temps. Ils sont où? À quelques kilomètres. Je leur ai indiqué notre position. La suite logique serait de les attendre. Ok. Par contre, un des signaux ne répond plus. Pourquoi le copilote? Il est tellement sympathique! Je sais pas, mais on va leur fumer la gueule. Bon, le vaisseau est à 35 minutes. Non, attends. 35 minutes, c'est en speeder. À pied, il y en a pour 2 jours. Non! On a l'air d'avoir de speeder ici. Putain, je vais vraiment les fumer! Ok, passons par là. We'll be right back.
Il se déplace à 6 km heure en moyenne. On dirait bien que cette fois, ce n'est pas vous le héros. Ça ne vous plaît pas, hein? Sans but. J'aimerais vous opposer. J'en ai connu des équipages. Mais vous, vous êtes vraiment bizarre. Vous êtes quelqu'un de bien dans le fond. Mais vous mettez toute votre énergie à faire en sorte que les gens pensent l'inverse. Vous faites une crise identitaire? Bonjour citoyenne, citoyen. Vous allez vraiment faire ça maintenant? Bah écoute, c'est soit ça, soit parler avec toi. Alors bon. La figure du anti-héros fascine. Torturé, désabusé ou encore fou, de nombreuses œuvres ont été marquées par leur présence, laissant une trace indélébile dans notre imaginaire. J'avoue, être bien plus sensible à la sombre vie d'un alcoolique nihiliste qu'aux aventures d'un jeune idéaliste plein de fougue. Bon, ça me regarde, mais évidemment, ces deux figures ont leur intérêt. Elles n'ont pas le même rôle symbolique au sein des récits. Le héros est dans une démarche pleinement positive. Il met en avant des valeurs qui le sont. Le courage, l'abnégation, l'empathie, le sacrifice ou l'écoute. Là où les quatre types d'anti-héros se définiront à l'opposé de celle-ci. La personne normale, qui évolue dans un contexte et une vie ordinaire et qui n'a pas de qualité particulière. Le héros décalé, une personne ordinaire encore, mais qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Le héros décevant, possédant potentiellement toutes les qualités du héros, mais qui ne les exploite pas. Et enfin le héros négatif, qui portera des valeurs néfastes. Le mensonge, la fourberie ou encore le meurtre. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des anti-héros les plus connus de la science-fiction. Le fameux, le musculeux, l'inébranlable, Riddick. Un personnage incarné par Vin Diesel. Un acteur ayant évolué dans du bon et du moins bon, mais pour qui j'ai une vraie sympathie. Et ce sentiment trouve comme origine son dévouement artistique dans ce que nous allons appeler le projet Riddick. Composé de trois films, Pitch Black, Les Chroniques de Riddick et Riddick, d'un téléfilm animé, Dark Fury, qui se passe entre le premier et le deuxième film, et de deux jeux vidéo, Escape from Butcher Bay et Assault on Dark Athena. Et ce projet a été mené conjointement par Vin Diesel et David Wohey. Réalisateur que vous ne connaissez certainement que très peu, puisque seuls les aficionados sauront qu'on lui doit des films comme Timescape, Le Passager du Futur, ou encore The Arrival, une série B de science-fiction sympathique avec Charlie Sheen. Également scénariste, il a œuvré sur de nombreux films dans les années 90, dont je retiendrai surtout l'excellent Waterworld. Un mec que j'apprécie également. Donc. Toujours est-il que c'est sous l'impulsion du duo qu'il forme avec Diesel que la saga Riddick a beaucoup évolué avec le temps. En 2000 sort Pitch Black, qui nous amène sur une planète désertique où nous suivrons les rescapés d'un lamentable crash. Vous vous sentez vraiment jugé, là? Parmi les survivants, un dangereux criminel. Un assassin recherché dans toute la galaxie. Riddick. Violent, sans foi ni loi, et prêt à tout pour s'en sortir. C'est l'ennemi public numéro 1. Mais comme si la situation n'était pas assez catastrophique, la planète entre dans une phase nocturne, libérant ainsi une horde de créatures sanguinaires bien qu'aveugles. Un concept brillant et une des forces du scénario qui permet au film de se métamorphoser en un pur survival, dont ne ressortiront vivants que trois personnages. L'imam Abou al-Walid, Jack, une jeune fille, et Riddick, évidemment. Les chroniques de Riddick sorties en 2004 nous amènent quelques années après le premier film. Retiré sur une lointaine planète pour vivre en paix loin de la civilisation, notre anti-héros va pourtant être rattrapé par son destin. Riddick. De ceux qui ont approché un nécromonger, très peu sont encore en vie pour en parler. La menace des nécromongers plane. Un peuple de fanatiques qui cherchent à asservir toutes les planètes pour atteindre l'antéverse. Un univers où la mort est bonheur et la souffrance un délice. Leur chef, le haut commandeur, un demi-dieu qui a hérité de pouvoirs surhumains, s'est vu prophétiser que le dernier représentant du mythique peuple furien mettrait fin à son règne. Vu la nature anarchiste du personnage, c'est peu de dire que c'est un destin étonnant qui attend Riddick, puisqu'il pourrait bien être le dernier espoir de l'humanité. Un rôle qu'il cherchera évidemment à fuir tout au long du film. Avec de nombreuses planètes, des trahisons, de l'action, la perte d'être cher et une histoire qui englobe le destin de l'univers, ce deuxième film nous présente donc une fresque plus ambitieuse et grandiloquente que son prédécesseur, aboutissant au sacrement de Riddick comme nouveau haut commandeur des Necromongers. Car dans ce monde, ce dont tu t'en parais, tiens. Sorti en 2013 et sobrement intitulé Riddick, le dernier film nous jette sur une planète sauvage où notre nouveau monarque, trahi par ses sujets, survivra pendant des mois avant de trouver une balise qui attirera les pires chasseurs de primes du système. Et dans une forme de reboot de Pitch Black, de nouvelles créatures feront leur apparition, obligeant toute la clique à s'allier afin de survivre. Riddick s'en sortira, comme toujours, puis partira se venger des Necromongers et de son ancien général. Mais disparu dans l'antéverse, Vaako est promis à une transcendance inhumaine. Et c'est sur ce cliffhanger que se termine cette trilogie.
Je ne vous cache pas. Évitez de bouger. J'aime beaucoup la saga Riddick. Quelle révélation! Ce côté série B de Pitch Black, efficace malgré ses défauts, un film que personne n'attendait et qui acquit une reconnaissance via le bouche à oreille après sa sortie en DVD. J'ai du respect pour l'ambition du deuxième film à développer un univers plus grand avec une direction artistique invitant au voyage. J'aime l'univers glauque et angoissant des Necromongers, qui apporte un peu d'originalité dans ce type de production, mais aussi la diversité des peuples qu'on y devine en sous-texte, notamment avec les élémentaires, qui donnent une touche sci-fantasy de bon aloi. Certaines idées sont vraiment bonnes, comme la planète Crematoria, dont la face éclairée est ravagée par son étoile trop proche, et qui renforcera la tension d'une scène de course-poursuite dantesque. Avec cette série de films, la science-fiction pulp est à l'honneur, et ça fait du bien de retourner à ce genre de production décomplexée. Même si tout n'est pas parfait, évidemment. Sinon, tu risques de te retrouver avec un couteau planté entre les deux épaules. Avec une réalisation plus ou moins inspirée, un montage des fois un peu à la ramasse, et des effets spéciaux qui ont variablement bien vieilli en fonction des films, cette saga a pourtant suffisamment de qualité pour plaire à n'importe quel amateur de bonne SF, avec de vrais moments de bravoure de notre anti-héros, Riddick. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant de parler des films et de les analyser, c'est Riddick lui-même qui m'intéresse, ce qu'il représente. Car la position du personnage a grandement évolué dans la saga, et c'est ça que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Riddick nous étant présenté dès Pitch Black comme le parfait anti-héros, et au vu des grosses différences qu'il existe entre les trois films, il serait intéressant de voir si le personnage n'a pas lui-même connu une évolution au fur et à mesure de ceci. Vous tirez sur la corde. Ouais, très bien. Bonne idée, ça. On fait comme ça, du coup. Richard B. Riddick, meurtrier, fréquemment en cavale. La position de Riddick dans Pitch Black est très claire, et la mise en scène va alors s'efforcer de donner un caractère animal au personnage à travers des attributs spécifiques, l'utilisation de l'ouïe, de l'odorat, ou encore le fait qu'il soit nyctalope. Non, mais je vous en prie. Cette blague, elle a déjà 300 ans au moins. Arrêtez de gigoter. Voir dans l'obscurité renforce davantage cette animalité. Et lors de son transfert comme prisonnier, Riddick effraie tant qu'en plus d'être rendu aveugle, il doit être immobilisé, la bouche entravée par un mort de cheval. Il y a ici un message très fort. Tout est dangereux chez cet homme. Va te faire foutre ! Pitch Black en rajoute même une couche en allant jusqu'à le poser en éventuel prédateur sexuel. Par exemple, dans cette scène où tout, dans son comportement, nous invite instinctivement à le considérer comme tel. Pourtant, cet aspect ne sera pas développé par la suite. Il est donc clair que ses agissements ont avant tout pour but d'augmenter symboliquement sa dangerosité. Dans le deuxième volet, les chroniques de Riddick, le personnage prend une dimension christique. Cette vue mérite bien 5 étoiles. Votre respiration s'accélère. Un mauvais rêve ? Non,
Deep, quand on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Quel effet ça fait exactement? Mais pourquoi? J'ai besoin de comprendre, cher capitaine. C'est comme vivre, mais en dehors de ton corps. Tu vois? Ah, mais c'est très clair! Un peu comme quand la régulation de mes filtres notes se met en ultra bypass. Oui, sûrement. Merde. Le vaisseau est en perte d'énergie. Il faut que je déconnecte certaines fonctions. Lesquelles? Stopper les grands gestes. Pour maintenir le chauffage, le verrouillage du vaisseau, les circuits de refroidissement pour la sursauve ainsi que votre assistance médicale, je vais devoir m'éteindre. Désactive tout. Garde l'assistance médicale. Et toi, tu restes avec moi. Vous êtes sûr? Oui. Merci beaucoup, capitaine. Je me demande, est-ce que fermer les yeux la nuit, c'est aussi un moyen de les ouvrir sur toutes les choses qui vous font peur de jour? Zarbut. J'ai mal. Dans le deuxième film, Riddick est un messie. Toujours aussi craint, il représente pourtant un espoir pour la galaxie, puisqu'il est le seul, selon la prophétie, à même de tuer le haut commandeur. Raison pour laquelle ce dernier détruisit Furia, sa planète d'origine. De simple humain, Riddick devient donc le dernier représentant d'une race de guerriers. Et pour légitimer cela, le film va altérer des informations que l'on nous avait données sur le personnage dans Pitch Black. Ses yeux, qu'il était censé s'être fait opérer en prison, deviennent des attributs spécifiques à son peuple. Ses yeux étaient semblables aux tiens. Le fait qu'il soit né avec 3 mois d'avance parce qu'on a le cordon ombilical qui vous étrangle devient finalement constitutif du mythe messianique de Riddick, puisque le haut commandeur étrangla chaque nouveau mâle furien lors de son attaque de la planète. Une histoire qui rappelle celle de Moïse et permet de caractériser Riddick en messie libérateur. Cette nouvelle origine est assez bancale et on sent bien que cette histoire de furien n'était pas prévue à la base par Tauri et Dizon. On garde les attributs des personnages, mais là où ils étaient représentatifs du mode de vie des gens des bas-fonds dans le premier film, ben là ils deviennent caractères prophétiques. On passe donc d'un criminel à un saint. Révélera ta vraie nature. La puissance naît de la souffrance. Alors, Ronflex, bien dormi? Faut qu'on se bouge. C'est un abattre. Divina Padana, Nakeli Kurini. Dana, Jarapa, Dana Keli Tukuluni. Ramène-toi, imbécile. Cette transmutation du personnage dans le deuxième film est un choix qui a été énormément critiqué par les fans du premier. Et la symbolique de la fin des chroniques de Riddick, où il devient le chef des Necromongers, peut même paraître antithétique par rapport à comment il nous a été présenté jusque-là. Un personnage profondément solitaire, qui ne s'embarrasse pas des autres. En l'inscrivant dans un groupe, il prend la place du chef de meute. L'animalité est donc toujours présente, les Necromongers n'étant pas très recommandables. Mais elle est encadrée par la masse de ses sujets. Sa liberté n'est plus, car la liberté, la vraie, c'est peut-être bien être seul. Toujours est-il que le pire criminel de la galaxie est à la tête de la plus puissante des armées. Au vu du personnage, on pourrait se dire que cela annonce une destinée catastrophique pour l'univers. Pourtant, il retire les troupes et quitte la planète. On a au contraire le sentiment qu'il n'y a plus de menace. Riddick serait ainsi devenu l'antithèse de lui-même. Putain, si je le retrouve. Quel renou, arrête. Flamme, patacle.
Cyril, attends. Pas qui vous cherchez, mais je n'ai rien à voir avec le Nexus 6. Mince, excusez-moi. Où est ton équipage, moustache? Si tu réponds, je ferai ça rapide. Comme tu voudras. Les chroniques de Riddick fut un échec commercial et fut reçu moyennement par la critique, ce qui influença le revirement que fit le troisième volet. Tuohy et Diesel, croyant toujours au potentiel de leur saga, durent revoir leurs ambitions à la baisse afin de lui permettre de subsister. Excite donc le destin de la galaxie, ici on cherche à renouer avec le premier volet. Je dois retrouver l'animal qui est en moi. Riddick, pour survivre sur cette planète hostile, se doit de revenir à son côté primitif. Et de nombreux choix du réalisateur vont illustrer cette nature profonde, avec par exemple les symboliques qui rappellent les hommes préhistoriques. Un instinct de survie à toute épreuve. Notre anti-héros ira même jusqu'à capturer une espèce de chiot zèbre pour tester du poison sur lui, sans aucun état d'âme. Et quand le début du film se paye le luxe d'enfermer le personnage dans une solitude extrême, sans dialogue, seule une voix off introspective nous connecte à l'humanité. Un choix que je trouve dommage d'ailleurs, car le film aurait gagné à assumer un mutisme total. C'est également le retour d'une violence graphique à base de mutilations corporelles, là où les chroniques de Riddick étaient beaucoup plus consensuelles dans la représentation de sa violence. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un manier aussi bien le rocher. J'ai grandi dans un lieu un peu comme celui-ci. Rien à bouffer, pas de technologie, juste la nature et des prédateurs. Alors t'es une sorte de Mowgli préhistorique? Non. Mowgli savait se faire comprendre des animaux, lui. Hé, hey, tu penses qu'on trouvera quoi au vaisseau? Dans le premier film, Riddick est donc un criminel sans morale, qui ne pense qu'à lui. Le deuxième film édulcore un peu le personnage en faisant un prophète sauveur pour donner une plus grande envergure à l'univers. Il n'aura de cesse de combattre ce rôle
et cherchera avant tout à sauver sa peau. Finalement, il devra accepter de s'intégrer à la société à contre-cœur. Enfin, le troisième film nous en fait une espèce de Robinson Crusoe violent qui reste fondamentalement intéressé par une seule chose, lui-même. Malgré quelques évolutions, l'ensemble de la saga aspire à nous présenter l'anti-héros parfait. Pourtant, un élément m'avait perturbé dans le dernier film. C'est pas de moi dont vous devez avoir peur. Le lien qui va se créer avec le chien zèbre. Ici, Riddick tient le rôle du mâle alpha d'une meute. Donne-le-moi. Ce qui semble renforcer l'animalité du personnage. Cependant, au fur et à mesure de leur relation, une ambiance légère s'installe. Appuyée par une musique tout droit sortie d'une comédie romantique. Attends. Attends. Et un humour douteux. Oh bah non. Cette position du maître qui joue avec son animal de compagnie humanise Riddick. En dissipant son rôle de bête sauvage, cette scène a fait germer une question en moi. Quelle est la nature réelle de notre protagoniste? Mais en vérité, citoyenne, citoyen, il y a quelque chose qui va pas. En revoyant ces films, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, Riddick n'a jamais été un anti-héros. Et ce, même depuis le premier film. Qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau est en des dépenses minimales. Mais ça ne suffit plus. Votre assistance médicale est en train de lâcher. Il reste quoi à désactiver? Vous le savez déjà. Que faites-vous? Vous devez économiser vos forces, cette nouvelle. T'es numérique, non? Pourquoi? Alors je peux te sauvegarder? Non, capitaine. Vous êtes fatigant. Vous ne pouvez pas accéder. Le système de sauvegarde est complètement grillé. Il me l'a dit. Oh, que je m'explose au sol comme un con. J'ai essayé, mais vous n'écoutez jamais. Putain. Je peux rien faire. Riddick est pour moi un héros au sens le plus total du terme. Alors oui, il semble qu'il n'ait pas fait des choses très recommandables, mais en vérité, on ne nous montre absolument jamais, dans aucun des trois films, un acte de Riddick qui puisse être réellement considéré comme répréhensible ou immoral. Dans Pitch Black, alors qu'il s'est libéré de ses chaînes, il ne cherche à tuer personne et fuit dès qu'on le découvre. Il aurait pu éliminer son geôlier des dizaines de fois, mais jamais il ne le fait. Il refuse d'utiliser Jack comme appât pour faire diversion et échapper aux créatures, et il s'interdit souvent de laisser les gens mourir. Dans les chroniques de Riddick, il ne tue aucun mercenaire qui ne représente pas une menace immédiate pour lui. Il fait tout pour sauver l'imam et sa famille, allant même jusqu'à prendre des risques pour sa propre vie. Volontairement, il va se faire enfermer dans la pire prison de la galaxie pour sauver Jack, qui a mal tourné. Et lors de sa fuite, malgré l'urgence et le risque d'être vaporisé dans d'atroces souffrances, il tente d'aider les gens. Pourtant, juste avant, il menaçait de les laisser tomber. Un seul rythme une fois en marche. Mon rythme. C'est pareil dans le troisième film, malgré le fait que les mercenaires n'aient pas cessé de le menacer.
Et malgré le fait qu'ils aient cherché à le capturer ou à l'éliminer, Riddick leur propose à plusieurs reprises de les laisser partir en échange d'un des vaisseaux disponibles. Encore une fois, il ne tuera jamais les gens gratuitement, seulement ceux qui sont dangereux à l'instant T. Nous sommes donc face à trois films qui passent leur temps à nous dire que Riddick est mauvais, mais qui ne nous le montrent jamais. Car en vérité, ça n'est pas Riddick qui est immoral ou brutal. C'est tout l'univers de cette saga et les autres personnages qui le sont. Je crois qu'on a quelque chose en commun. Jones, l'homme qui le surveillait dans Pitch Black, se fait passer pour un flic, alors qu'il n'est qu'un chasseur de primes accro à la morphine, violent et instable. Quelqu'un va en prendre plein la gueule. C'est lui qui proposera de laisser Jack aux créatures, puisque le sang les attire et qu'elle a ses règles. Belle preuve d'humanité, n'est-ce pas ? Même Caroline, la pilote, qui est l'un des personnages les plus empathiques, voulait larguer les passagers du vaisseau lors du crash pour augmenter ses chances de survie. Je ne mourrai pas pour eux ! Dans les chroniques de Riddick, Vako et sa femme passent leur temps à fomenter un coup d'état contre le haut commandeur. Les mercenaires ne pensent qu'au fric, les gardiens de prison aussi. Ces derniers envoient même des putains de bêtes bouffer les prisonniers. Et je ne vous parle même pas des personnages du troisième volet, qui à quelques exceptions près, ont tous les pires défauts. Même Jack, qui dans le premier film se fait passer pour un garçon, et on peut la comprendre vu le monde qui l'entoure, tout de même, elle ment sur qui elle est. Elle se dévoie. Et se dévoyer, malgré les différences de traitement entre les trois films, Riddick, lui, ne le fait jamais. Cela fait de lui un héros dans cet univers. Un personnage qui exalte des valeurs telles que le courage, la liberté, mais surtout l'intégrité par rapport à son propre code moral. Je suis un homme de parole. Tout le monde est malhonnête, corrompu, veul, tricheur et bien d'autres choses. Riddick, lui, n'est rien de tout cela. Il reste fidèle à lui-même, intègre et fondamentalement honnête. Il respecte sa propre éthique, qui de prime abord peut nous paraître violente et antisociale, mais qui, en comparaison à tout ce qui se passe dans cet univers, est bien plus moral. Je commençais à trop m'attacher. Affirmant in fine Riddick en véritable héros pour le spectateur. Car l'anti-héros dans un monde immoral est un héros. Et cette inversion des valeurs qui lie ces deux archétypes dans une marginalité libertaire nous amène également à questionner un autre qualificatif, celui qui définit souvent Riddick, badass. Notre instinct, construit par des centaines de films, de séries et de jeux vidéo, nous affirme qu'il l'est, du fait de sa plastique avantageuse, des postures classe qu'il prend, ou encore de ses punchlines. Vous n'avez pas peur du noir, j'espère. Malheureusement, badass est encore trop souvent associé qu'à ses seuls aspects. En témoignent les franchises musclées des années 80 et 90 qu'on ressortait du placard au début du 21e siècle. Cette volonté de sortir des films mal conçus, mal écrits, avec pour seule profession de foi d'être badass à tout prix, était ridicule et vide de sens. Car il s'agit de quelque chose de bien plus profond qu'un simple empilement de testostérone. Être badass, en réalité, c'est aller à l'encontre d'un système établi. C'est donc être profondément anti-système. Et tous ces films l'étaient chacun à leur manière à leur époque. Que ce soit dans leur mode de production ou dans les valeurs qu'ils portaient. Bien souvent, c'était des créations cherchant à bousculer les règles établies et les personnages qu'elles mettaient en scène représentaient cela. Mais ces différents reboots ou tentatives de renouer avec un passé fantasmé ne proposaient que du réchauffé sans saveur, sans âme, qui sentait la naphtaline. Pire, ils étaient pleinement intégrés à une logique marketing qui, elle, était le chantre du système de production de son époque. L'artificialité de cette badassitude saute aux yeux, et les protagonistes qui la représentent ne sont que des coquilles vides boursouflées. Ils sont rapidement éclipsés par des personnages qui, s'ils n'ont peut-être pas les mêmes muscles, sont infiniment plus badass. Et si Riddick l'est, ce n'est pas du fait de sa violence ou des trucs cools qu'il va faire. Il l'est parce qu'il est libre, parce qu'il n'accepte pas qu'on essaye de l'édulcorer, qu'il n'hésite pas à dire d'aller se faire foutre à toute personne qui tente de le contrôler. Je ne plie devant aucun mortel. Il est badass, car il est en dehors de la société, et qui nous amène à questionner celle-ci en étant soi-même. Il survole le monde en observateur. De ses yeux augmentés, il en voit toute l'horreur, mais parvient aussi à y déceler la beauté. Merveille.
Ce n'est pas pour ses phrases que tape à l'œil que j'aime Riddick, mais pour sa capacité à survivre, affranchi de tout, sans Dieu ni maître. Sarbut, Saxno, il est en vie. Tenez bon. Vous êtes au courant pour le copilote ? Doucement. Doucement. Le vaisseau est foutu. On est bloqué ici. On va réparer le transcommunicateur. Il y aura bien quelqu'un pour nous sortir de là. Putain, je vais tellement les fumer. C'est exactement ce qu'on va faire. On va aller les fumer.